Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus en vos qualités respectives, messieurs les présidents et correspondants organisateurs, mesdames et messieurs les présidents des associations du Grand Ouest, monsieur le directeur des relations extérieures de la G2R La Mondiale, monsieur le représentant du Rotary, cher Francis, et chers administrateurs, chers tous. Mais là, aujourd'hui, je dois avouer que vous me scotchez, pour employer un terme dans le vent. Je sais que le secteur est grand. Je sais qu'ici, les associations poussent comme des champignons. Mais être plus de 230 participants pour votre deuxième rencontre régionale et avoir pratiquement toutes les associations représentées, j'en ai le souffle coupé. C'est presque un congrès national. Je pense que le dernier à Chauvigny, on était... où est-ce qu'il est mon... les trois Raoul, là, les trois R, comme je les appelle. On était combien au total, Raoul ? 200. On a dépassé, et à Guérande, on était 200 aussi. C'est-à-dire que là, le congrès régional dépasse les congrès nationaux. Il faut quand même le faire. Hein. Évidemment, vous m'envoyez... Partenaire, par un Chauvigny qui sont ici en nombre, très important, créé par le Lyon, de partenaire. Alors, nous sommes depuis 5 ans, 36 hommes de métier, dont une femme, 21 garçons, pas de filles, 10 ateliers, samedi matin de 9h30 à 11h30, avec une petite pause pour les gamins avec le petit bout de brioche. Les bâtiments ont été prêtés par la ville de Parthenay, notre cotisation 37,50 €. Donc, merci à Parthenay. On continue par la... Donc, c'est la dernière association, il me semble. Alors, l'association du pays chauvinois, Chauvigny, c'est dans la Vienne, bien sûr. Cette association, elle a été créée en 2003, donc, enfin 2002, mais fonctionnée en 2003, donc 8 ans. Homme de métier, 25, pas de femme, puisque je compte pour l'instant. Nombre d'enfants, 22 garçons, une fille. Nombre d'ateliers, 10. Les jours, c'est le samedi matin de 9h30 à 11h30 en période scolaire. Et nous, contrairement à beaucoup, j'ai pas entendu, on a un pot pour les hommes de métier après chaque séance du samedi. Mise à disposition gratuitement des locaux, il y a environ 3 000 à 3 500 m² de locaux du centre technique municipal de Chauvigny, avec tous les ateliers dont on a les passes pour rentrer tous les samedis. Et puis la cotisation est de 35 € par enfant par an. Chaque enfant fait de 5 à 6 semaines dans chaque atelier sur la période des 2 ans. Là, il y a pas de problème. Ça, je conviens, puis c'est un truc trop cher, mais c'est surmonté sur maquette. Donc, il y a l'acteur, notre boîte, notre bouche, c'est. Il y a juste la première fois. C'est ça, c'est que nous, on récupère. Mais nous, on va la monter sur des supports. Bah oui, mais quand même, pour le budget, j'ai signé, mais pendant ce qu'on dit, on va compter à X. La seule truc, c'est que je suis pas beau là. Alors justement, je cherche une petite tête de 50 ans. Alors, tu as trois brigades, donc chez vous. Alors, nous, à Parthenay, c'est 2 ans et 6 semaines. 6 semaines par métier. À raison de 2 par homme. Par atelier. Après, vous pouvez modérer en fonction du nombre d'enfants. Oui, mais si vous augmentez les ateliers. Voilà. Parce qu'en menuiserie, c'est sûr qu'il faut être, par élève,
il faut tuer une personne. Parce que quand il fait sa mortaille, il faut être derrière, ou quand il fait un clan, il faut être là pour lui dire attention, tu dévies. Donc il faut pas en avoir de trop. Hein. C'est que c'est vrai qu'on pourrait peut-être peut-être que l'Union nous dise jusqu'à quand on peut envoyer et à ce moment-là faire nos assemblées générales en fonction. Alors, la banque. La Banque Populaire. La Banque Populaire. C'est une association de malfaiteurs. C'est une ancienne banque d'artisans. Bien entendu, c'est votre responsabilité de voiture qui marche. Alors, donc, il faut bien voir comment vous êtes assuré. Si vous êtes assuré pour personnes transportées, il faut bien regarder ça, que ce soit bien carré. Et puis, ne prenez jamais qu'un gosse en voiture avec vous. Prenez un autre homme de métier, prenez deux enfants ou trois enfants, mais jamais un tout seul. Parce que quelquefois, qu'il fabule que vous l'emmeniez quelque part ailleurs. Ou un jour, on peut avoir aussi un problème avec un homme de métier. Mais tout, bon, il y a 1200 hommes de métier dans les associations. On peut avoir un jour quelqu'un qui rentre chez nous, qui ne soit pas forcément avec de bonnes intentions, hein, s'il arrive quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Pierre ? Non ?